de formation repassera en catégorie 1. Attention à Perrin du Stade. Oh le but stéphanois, grâce à cette frappe d'une pureté inouïe de Loïc Perrin qui marque son deuxième but de la saison. Il va rentrer à la place de Geoffrey Dermis. Ouais, Piquionne avec Ilan. Oh, la but! Le but du Brésilien Ilan à l'heure de jeu dans cette rencontre. Une frappe, non, il préfère temporiser, ballon contré par Piocelle qui le redonne à Sablé, la frappe de Sablé et l'ouverture du score. Fait le tour de Hilton, la course de parfait Gomis toujours et sa puissance qui a la lucidité de passer à Heinz de contrôle, la frappe enchaînée, et quel but après le travail de parfait Gomis. Fabrizio à l'entrée de la surface, mais sur Pierre. C'est un monsieur Garibian. Pedro vers Revel. Ils sont deux. Alex avec Sarr et la frappe. Alex, oh, quelle frappe! Quelle trajectoire étonnante! Et on reprend
sur les mêmes bases ce match qu'on avait quitté il y a quelques minutes. 4-0 pour l'AS Saint-Etienne et triplé pour Alex. Fred Mendy, c'est fait. Il a déserté son aile gauche pour passer à droite. Là, il a débordé Patricio D'Amico. Oui. Et Bruno Lage. Superbe. Quel but de Damien Bruno Lage. La Tessera rouge pour premier titre de champion de Ligue 1. Magnifique. Damien Bruno Lage vient se jeter dans les bras de Fred Antonetti, des Bourguignons et de tout le staff du Bruno Lage. Sablé, Feyn Doudon qui a fait l'effort, Diané n'a pas vu venir, Feyn Doudon qui regarde un coup d'œil avec Gomis qui est là en extension, il remisait, il a la bicyclette, oh que c'est bon, le but d'anthologie marqué par Ilan sur cette course de Feyn Doudon, le coup d'œil, le service, la bicyclette, puis il y a tout et il y a surtout 2-0 pour les Verts. C'est une leçon de football, une leçon de réalisme. Feyn Doudon, l'embras. Oh, c'est super. Oh, c'est magnifique ce que vient de réaliser Christophe Lambrin. Tout le banc stéphanois est debout.